Ah bon, vous trouvez ? Donc bonjour, je m'appelle donc Emmanuelle, je suis responsable QSE SAMSIC Facility, donc responsable QSE, c'est responsable qualité, sécurité, environnement pour les activités propreté, sécurité, accueil au sein d'une région qui est la région Val-de-Loire. Alors le métier de responsable QSE, c'est avant tout de mettre en place un management d'influence afin que les démarches QSE soient intégrées à l'ensemble des interlocuteurs de l'entreprise. C'est suivre la politique définie par la direction générale dans le respect des exigences réglementaires, normatives et puis les différentes certifications que l'on peut avoir, 9001, 14001, 45001, MAS. Alors après un IUP intitulé Ingénierie et qualité des produits de biotransformation à Angers, puis un DESS à l'IGR de Rennes, intitulé Management des entreprises. J'ai intégré donc un poste de responsable QSE au sein d'une société qui s'appelait LG, Laughing Glass, qui a été rachetée ensuite par le groupe SAMSIC en 2002. Et depuis cette date, j'occupe le poste de responsable QSE à travers différentes régions, la Bretagne, les Pays de la Loire, la Normandie et aujourd'hui la région Val-de-Loire. Alors pour un poste de responsable QSE, il est conseillé d'avoir un diplôme d'école d'ingénieur ou alors un master type gestion des risques industriels ou management de la qualité. Alors les évolutions par rapport à un poste de responsable QSE sont soit vers un poste de directeur QSE, un poste de directeur RSE ou un poste de directeur de la prévention, ce qu'on va appeler un directeur SST, santé, sécurité au travail. J'ai envie de dire, vous êtes pédagogue, rigoureux, organisé. Vous aimez travailler avec les différents acteurs de l'entreprise, de l'opérationnel à la direction générale. Eh bien, un poste de responsable QSE permet de mettre en avant toutes ces compétences.